Bonjour à toutes et tous. Bonjour, bienvenue. Vous êtes en train de vous connecter. Le nombre augmente progressivement. Bienvenue, bienvenue à cette nouvelle séance, ce nouveau webinaire dans le cadre de notre série Financer la ville durable de demain. Comme vous le savez, cette série est développée dans le cadre d'un partenariat entre le Fonds mondial pour le développement des villes et l'Agence française de développement. Cette série comporte des ressources composées à la fois de capsules vidéo et de webinaires comme celui d'aujourd'hui qui proposent d'apporter un regard complémentaire notamment au parcours de formation développé par le campus AFD sur les stratégies financières des collectivités locales, parcours auquel certains d'entre vous connectés aujourd'hui sont inscrits actuellement ou ont pu participer au cours des dernières années. Mais par-delà cette formation, notre objectif, c'est véritablement de pouvoir constituer une communauté d'acteurs souhaitant partager des expériences, des préoccupations, promouvoir des solutions pour accompagner les collectivités locales, leur permettre de disposer des moyens nécessaires au rôle d'acteurs du développement qu'elles sont amenées à jouer de plus en plus dans le cadre des processus de décentralisation à l'œuvre. C'est aussi l'objectif de la plateforme Local Finance Knowledge Hub, initiée par le FMDV et le CGLU. Et c'est pourquoi nous avons choisi de nous associer à ces démarches. Lors du webinaire du 7 décembre, où vous avez été très nombreux à voter, à participer d'abord et à voter pour les différentes sous-thématiques que nous vous proposons pour ce cycle de webinaire et pour cette série. Et donc, au regard des résultats et des souhaits exprimés pour couvrir le plus grand nombre de champs possibles, nous avons donc finalement décidé de démultiplier le nombre de webinaires. Et ce sont donc finalement au total 5 webinaires qui vous seront proposés cette année. Toujours dans un objectif de pouvoir adresser de façon globale les 3 enjeux que nous avons identifiés et présentés lors du webinaire du 7 décembre, à savoir les questions de planification et d'évaluation budgétaire, de mobilisation et de diversification des ressources pour les collectivités et d'accès au financement externe. Nous sommes donc ravis de vous retrouver aujourd'hui pour initier des échanges autour de cette première thématique. Plus spécifiquement axé autour du renforcement de la programmation pluriannuelle du budget et des investissements. Et donc, sans plus tarder, je cède la parole à Jean-François Abeau, directeur exécutif du FMDV, qui va vous présenter plus en détail le programme de ce webinaire. J'en profite pour remercier tout particulièrement les équipes du FMDV qui sont plus ou moins dans l'ombre, mais sans lesquelles cet événement n'aurait pas été possible. Un grand merci à tous et merci également à tous nos intervenants, experts ou praticiens qui se sont mobilisés aujourd'hui pour vous partager leurs expériences. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent webinaire et d'excellents échanges. Merci Marie, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Jean-François Abeau, le directeur exécutif du FMDV, qui est un réseau mondial de collectivités locales qui a pour mission de travailler sur les solutions de financement et d'investissement des collectivités locales et de la transition urbaine. Je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous dans le cadre de ce partenariat avec l'AFD et son campus, comme le précisait Marie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter le programme et le déroulé de la session. Donc, la modération devait être assurée par Émilie Maïra, l'adjointe au FMDV, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Donc, je vais faire ce rôle d'animation et de modération. On aura une présentation des enjeux du renforcement de la programmation pluriannuelle du budget et des investissements avec deux grands témoins, que sont Monsieur Hamami, l'ancien ministre tunisien des Affaires locales et de l'Environnement, mais également avec Mahamadou Danda, l'ancien Premier ministre du Niger. Ensuite, nous aurons la présentation des principes de la programmation pluriannuelle et du budget et des investissements, fait par Monsieur Laurent Guyon, qui est expert formateur du parcours stratégie financière des collectivités locales au campus. On aura ensuite le témoignage par vidéo de Madame Audrey Henoch, qui est la première adjointe à la ville de Lyon, en charge des finances et de la commande publique et des grands événements. L'autre séquence sera sur les échanges d'expériences avec trois témoins de collectivités locales, Madame Wafa Moniati, la directrice des affaires financières de la ville de Marrakech au Maroc, Monsieur Jean Yango, ancien directeur des études de la planification urbaine et du développement durable à la communauté urbaine de Douala au Cameroun,
Et enfin, M. Yatma Diao, qui est le directeur des affaires financières à la ville de Dakar, au Sénégal, qui nous présenteront chacune et chacun leurs expériences par rapport à la thématique de la programmation pluriannuelle. Enfin, il y aura un échange avec les participants où nous vous invitons à poser vos questions, faire vos remarques et vos réactions par le chat. Et également, si vous pouvez vous présenter dans le chat pour qu'on sache aussi d'où viennent ces questions, ça facilitera le choix. On devra malheureusement sélectionner un petit nombre de questions pour être sûr qu'on a le temps de les adresser aux intervenants ou en tout cas de les faire remonter. Voilà, sans plus attendre, je propose d'ouvrir la première séquence avec la présentation des enjeux par les deux grands témoins et donne la parole à M. Mokhtar Hamami, donc l'ancien ministre tunisien des Affaires locales et de l'Environnement. M. Hamami, vous avez 7 minutes pour nous présenter votre vision de la chose. Merci. Merci de votre invitation. J'en profite pour saluer les organisateurs de cette rencontre, ainsi que tous les participants. Je crois que cette rencontre est une occasion salutaire de réfléchir, de débattre et autour d'un sujet d'un grand intérêt pour les pays africains, les collectifs locaux des pays africains. Traiter des enjeux de la programmation pluriannuelle implique tout d'abord de retracer une genèse, de dresser un bilan et d'entamer une réflexion prospective. Ça, c'est nécessaire pour toute réflexion. Surtout que beaucoup de pays africains se sont insérés, engagés dans la voie de la décentralisation, dans un contexte mouvant. Nous voulons, la question qui se pose, qu'est-ce que nous voulons? Est-ce qu'il faut arrêter et réfléchir cas par cas, année par année, prendre des projets d'ici ou là, ou il faut chercher à trouver un certain équilibre général et cohérent, et efficace et responsable qui s'inscrit dans cette thématique? Permettez-moi d'annoncer quelques questions. Plutôt les caractéristiques de cette thématique. La programmation annuelle telle que je l'ai vécue pendant une vingtaine d'années dans ma fonction, c'est un cadre de référence pour toute planification qui recouvre l'ensemble des interventions menées par les différents acteurs locaux et décline en même temps le financement nécessaire en allouant les ressources en conformité avec les priorités et à leur réalisation. C'est aussi un document de cohérence qui permet de faire le lien et requiert la fluidité des relations entre les principaux intervenants. Aussi, la programmation, c'est une démarche glissante, actualisée chaque année pour tenir compte de l'information financière et les changements socio-économiques. L'objectif essentiel, ils ont fini par ces caractéristiques, c'est de passer progressivement d'une logique de gestion axée sur le moyen à une gestion axée sur le résultat, sur la performance. C'est un outil qui offre aussi une meilleure prévisibilité. Permettez-moi de présenter les idées clés de cette problématique telle que je l'ai vécue pendant toutes ces années. La première idée, c'est que le programme de développement local adopté en Tunisie, PDL, qu'on appelle le PDL depuis 1987. Nous sommes à notre sixième plan de développement local de 5 ans de durée. C'est un ensemble de projets d'investissement qui s'étale donc sur 3 ou 5 ans. Toutefois, le budget annuel prévoit des ressources annuelles seulement et pour une année spécifique. Pour cette raison, et pour assurer une certaine sérénité et la durabilité, le plan de développement local est créé directement, il est lié au cadre budgétaire à moyen terme des années qu'on a prises durant toutes ces périodes, qui prévoit les financements et les allocations pour tout projet. Donc, l'idée principale, pas de planification d'investissement sans un cadre budgétaire à moyen terme. Ça, c'est la première idée que nous avons recueillie. À défaut, les projets d'investissement feront face à des interruptions, de retard, de non-exécution, on appelle le stop and go, où le transfert d'argent sera véhiculé à d'autres projets
ou dépensés par l'État dans d'autres, avec, dans d'autres sphères, avec tous les coûts de retard attribués. La seconde idée qui émane, c'est qu'elle se situe au niveau du financement local. En effet, une collectivité locale, elle a un plan de développement local sur 5 ans et approprié. Et en absence de ressources financières adéquates, le PDL restera une lettre morte. Donc, c'est une condition. Comment faire? Dans la plupart des pays de l'Afrique qu'on a connu leur trajectoire, 80% du budget de collectivité locale provient du gouvernement central. Les collectivités n'ont pas leurs propres ressources. Ils n'ont pas un système fiscal propre pour avoir les moyens de réaliser les projets prévus dans leur programme de développement local. Donc, c'est une question qui s'impose. La troisième idée, pas de décentralisation réelle, sans décentralisation fiscale. En Tunisie, on a réussi la décentralisation administrative et légale. Toutefois, cette décentralisation n'a pas été accompagnée par une décentralisation fiscale, donnant les moyens aux collectivités de bien planifier leur propre développement à moyen et à long terme. Cette décentralisation est caractérisée par une dominance omniprésente partout, de gouvernement omniprésent partout dans les affaires locales, notamment la planification des investissements. Ils sont toujours à la remorque du gouvernement central, ce qui vide la planification de son sens. Pas de planification locale, réussite sans ressources financières autonomes. Ça, c'est l'idée qu'il faut tenir, la deuxième idée. L'autre idée, c'est le plan de développement local qui est considéré comme un outil qui a été introduit en Tunisie durant les 2 dernières décennies. On a appris de nos erreurs pour l'améliorer et le bonifier. Toutefois, cette démarche est handicapée par plusieurs événements. La crise des finances publiques, la décentralisation fiscale n'a pas été effectuée selon le processus de décentralisation prévu à cette fin. Et puis, la décentralisation, toutefois, nous avons réussi une décentralisation administrative et légale. La décentralisation fiscale fait défaut. Elle n'a pas suivi, ce qui handicape l'exécution du budget d'investissement et retard du développement local. Pendant la deuxième expérience qui est prise après la constitution de 2014 et après l'instauration du code de collectivité locale, on est rentré dans la programmation pluriannuelle, mais dans un cadre décentralisé qui a donné un contenu plus concret aux notions de pouvoir local, de gouvernance locale. C'est un document, à mon sens, de planification multi-acteurs et multi-thématiques. C'est aussi un processus de débat et un cadre de référence et de cohérence de l'ensemble des intervenants menés par les différents acteurs. Donc, ce plan, il est appelé d'étendre le diagnostic de la structure communale à un diagnostic de la ville. Donc, il s'est élargi et de définir les objectifs de structure communale en objectifs de ville. Par conséquent, la commune est appelée à jouer, en ce cas, un rôle d'articulateur du développement local. Cela va favoriser, bien entendu, la question de l'appropriation des services municipaux. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, ce que la planification locale... Quelques minutes, s'il vous plaît, parce qu'on est déjà à une minute. C'est un héritage de forte décentralisation. Mais la planification pluriannuelle va donner des chances ou plutôt des caractéristiques nouvelles qui font appel à la participation, à l'écoute, à la transparence, à l'équité, à la recherche de consensus. Donc, c'est le nouveau projet multi-annuel. Donc, quelques pistes pour consolider la planification pluriannuelle. Le recours au PPP, encourager les investissements dans des projets à aspect environnemental, inscrire cette programmation multiannuelle dans un cadre de vision, parce qu'on ne peut pas prendre des projets isolés, même s'il s'agit de 5 ans, il faut avoir toujours une vision
et s'étend avant tant au moins, adopter les outils de planification aux nouvelles notions du pouvoir local et peut-être chercher des solutions au niveau des chartes des villes comme moyen de pérennité et de garantie de la programmation pluriannuelle. Je termine par quelques soucis qui restent toujours posés. C'est une question qui est toujours posée et que j'ai toujours posée à mes élèves au master, faculté de sciences juridiques et politiques. Aujourd'hui, s'agit-il d'une planification municipale et n'engageant que le projet municipal ou territorial engageant les autres acteurs publics? Jusqu'à maintenant, quelle que soit la forme pour le prendre, la question est toujours soulevée. La deuxième question, quel équilibre entre la démocratie représentative à travers les conseils élus et la démocratie participative ou la participation des populations dans la définition des projets locaux? Ce sont des questions qui s'imposent. Et une autre question qui s'ajoute dans ces temps-ci, avec l'impact positif ou négatif des réseaux sociaux comme Internet et autres. Il s'agit là d'une démocratie de surveillance. Comment cohabiter la démocratie représentative avec le nouveau procédé de participation nouveau? Les citoyens usagers des réseaux sociaux n'ont pas le même souci d'ordre collectif que les citoyens. Et donc, il y a beaucoup de problèmes qui s'imposent. Comme conclusion, la décentralisation, c'est vrai, c'est une source d'inquiétude, de crainte, mais avant tout, parce qu'on ne sait pas ce qu'est la décentralisation, il y a plusieurs définitions. Pour moi, c'est tout simplement confier aux collectivités locales plutôt des responsabilités liées à leur quotidien, services de proximité, jusqu'ici gérés par l'État. Enfin, la décentralisation réelle, sans une autonomie financière, c'est-à-dire une capacité à la fois juridique et réelle de procurer des ressources et une liberté d'en disposer, reste morte. D'autre part, les finances publiques ont besoin d'une réinvention qui passe par la reconsidération de tous les rapports, surtout entre l'État central et les collectivités locales, entre la déconcentration et la décentralisation. J'en finis par cette dernière idée. L'État, aujourd'hui, dans ce contexte de décentralisation, n'impose plus. Il propose, il doit s'employer à convaincre du bien fondé des solutions qu'il propose. Les agents de l'administration centrale doivent s'habituer à partager les prérogatives et admettre qu'ils n'ont plus le monopole de l'incarnation de l'intérêt général, qu'ils sont appelés à consentir des concessions parfois douloureuses, notamment au niveau des finances, qui reste le point fondamental de cette programmation des investissements et du budget alloué à ces investissements. Merci. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces propos d'introduction et qui étaient complets et très intéressants de les lier également à l'histoire de la décentralisation en Tunisie. Sans plus tarder, je transmets la parole à Son Excellence Monsieur Mahamadou Danda, ancien Premier ministre du Niger et qui est fortement impliqué dans l'espace communautaire UEMOA sur les enjeux de décentralisation financière, mais aussi de financement des collectivités locales. Monsieur Danda. Votre micro est en mute, voilà. C'est bon? C'est bon. Si jamais vous avez la caméra, c'est encore mieux. Mais sinon, la voix est déjà très bien. La caméra, j'active la vidéo, c'est ça? Tout à fait. Est-ce que ça va? Alors là, on ne vous voit pas vraiment. Pas du tout. Non, là, ça doit être dans le mauvais sens, la caméra, si vous êtes sur l'ordinateur. Ouais, c'est sur l'ordinateur. C'est pas très, bah, sinon, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir la caméra en face de vous. Ouais.
En tout cas, je ne vois pas ce que je dois activer, désactiver le son, non? Vidéo, il y a une barre rouge qui barre ça. Bon, en dehors de ça, Ouais, bah, je si ne vous démarrez vois la vidéo, ça ne vous montre. Essayez une dernière fois peut-être pour démarrer la vidéo. la vidéo. Voilà. Non, ça ne Ça ne marche donne pas. rien. Non. À donner. OK. Écoutez, vous pouvez arrêter la vidéo et on va vous écouter par au micro. Ça ne... Ouais, OK. Là, vous me recevez. Parfaitement. Et la parole est à vous en 7 minutes, s'il vous plaît, pour présenter les grands Oui, enjeux. merci beaucoup. Je voulais très rapidement saluer tous les participants à ce webinaire ainsi que les organisateurs, notamment le Centre de formation campus de l'AFD et le FMDV, que je remercie de m'avoir associé comme grand témoin. Évidemment, dans la limite du temps, 5 à 10 minutes qui m'est imparti, mon témoignage va se référer au contexte de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, que j'ai eu l'honneur d'appuyer en même temps que beaucoup d'experts de ces 8 pays et en compagnie du CIEDEL, notamment Christophe Mester. Nous avons mené un processus d'élaboration du cadre stratégique, qui est en fait une forme de planification pluriannuelle pour l'espace UMOA. Le contexte de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a fait en fait de la décentralisation l'un des moteurs de l'intégration des peuples. Comme adjuvant, il a mis en place un conseil de collectivité territoriale en 2012 et il a engagé un processus d'élaboration du cadre stratégique de décentralisation financière pour une période 2018-2022. Je voulais très rapidement préciser que la décentralisation financière dans le contexte des pays de l'UMOA recouvre l'ensemble des ressources actuelles ou potentielles des collectivités territoriales, qu'elles soient fiscales, qu'elles soient des ressources du domaine public, qu'elles soient des transferts des États, qu'elles soient des transferts des partenaires techniques et financiers, ou qu'elles soient de l'emprunt ou des financements innovants, notamment le partenariat public-privé. Et là, il faut quand même le rappeler, la décentralisation et la décentralisation financière vont de pair, parce que la capacité des collectivités ou d'une collectivité à définir et mettre en œuvre une politique publique locale repose sur sa capacité à la financer, que ce soit par l'impôt, par les revenus des transferts des États ou des PTF, par des ressources propres ou par l'emprunt. Alors, pour les États de l'UMOA, l'enjeu central de la décentralisation en général est de redonner confiance aux citoyens par la capacité de l'État à l'entendre, à le respecter et à lui apporter un projet pour l'avenir et lui apporter des services sociaux de base. De toute évidence, de nos jours, nous savons tous que les agendas internationaux s'accordent à reconnaître le rôle central des collectivités territoriales comme moteur du développement mondial. D'ailleurs, comme l'attestent un certain nombre d'aspects, notamment la vision de l'Union africaine à l'horizon 2063, et également, je peux citer l'accord de Paris qui place l'échelle locale au centre de la dynamique de lutte contre les changements climatiques. Dans cette perspective, en fait, le CCT, Conseil des collectivités territoriales de l'espace UMOA, s'est doté d'un cadre stratégique pour une décentralisation financière. C'est quand même une expérience un peu particulière et innovante. Le cadre stratégique n'est rien d'autre que la référence politique et institutionnelle de l'UMOA et du Conseil de collectivité en matière de décentralisation financière, qui définit donc une vision, des objectifs et des moyens à mettre en œuvre. Évidemment, notre sentiment est que la mise en œuvre du cadre stratégique en tant qu'instrument de programmation pluriannuelle se réfère dans le contexte du MOA au moyen terme, donc 2018-2022. Il vise surtout à améliorer la capacité des collectivités à concevoir
et mettre en œuvre de véritables politiques publiques locales. Nous mentionnons ici que le travail de base à réaliser pour le succès, évidemment, du cadre stratégique et de tout programme pluriannuel d'investissement, d'ailleurs, est de maintenir et renforcer le portage politique par les États ou les chefs d'État et de gouvernement de la décentralisation comme réforme centrale de la structure des États limois. C'est essentiel que cet aspect portage politique soit mis en avant. De toute évidence, évidemment, la promotion et la maîtrise des programmes pluriannuels d'investissement au niveau des territoires, donc des collectivités, restent, à mon sens, des leviers nécessaires pour que les collectivités territoriales soient en capacité de répondre aux enjeux mondiaux, régionaux, nationaux et locaux. Je voudrais conclure en réalité en disant que mon intime conviction par rapport à ces outils de planification, au niveau de l'espace UMOA, le cadre stratégique de décentralisation financière est non seulement un outil politique, mais aussi un programme pluriannuel de financement des investissements des collectivités. C'est un moyen intéressant dont le succès de sa mise en œuvre. Monsieur Danda, vous êtes mis en mute. Il faut réactiver votre micro, s'il vous plaît. Ah, j'espère qu'on m'a entendu. On a manqué 10 secondes. Et par rapport à la mise en œuvre, vous étiez. Oui, alors je disais que ça, j'étais dans ma conclusion, que ma conviction est qu'au niveau de l'UMOA, et le cadre stratégique de décentralisation financière est non seulement un outil politique, mais aussi un programme pluriannuel de financement des investissements des collectivités. C'est un moyen intéressant dont le succès et la maîtrise et la mise en œuvre conditionnent, à mon sens, la stabilité politique et économique des États de l'Union et leurs organisations. Voilà un peu ce que j'ai cru partager avec vous dans cette première partie, et on attendra les échanges. Merci à tous. Merci, Monsieur Danda, pour cette présentation. Et on voit effectivement tout l'intérêt également d'avoir des efforts faits au niveau régional qui permettent d'inciter à la fois les États à des politiques et des accompagnements des collectivités locales, mais aussi que les institutions régionales comme la Commission UMOA puissent accompagner les collectivités locales à développer des solutions, notamment sur la planification du budget et la projection pluriannuelle. On reviendra lors de la séquence d'échange avec les participants si des questions vous sont posées aux deux grands témoins. En tout cas, merci à vous deux. On était très honorés de vous avoir et on continuera tout à l'heure dans les échanges. On passe à la deuxième séquence maintenant sur les principes de la programmation pluriannuelle du budget et des investissements avec M. Laurent Guyon, qui est expert formateur de parcours de stratégie financière des collectivités locales de campus. Et avant, Laurent, de vous donner la parole, je veux juste préciser par rapport à plusieurs messages dans le chat. Tous les documents vous seront transmis à ceux qui se sont inscrits. Donc, si vous êtes là, c'est que vous êtes inscrit. Donc, vous aurez les rapports et les présentations qui ont été faites par les différents intervenants. On vous enverra ça dans les jours qui suivent l'événement. Merci. Monsieur Guyon, la parole est à vous en 10 minutes. Merci beaucoup à tous. Donc, merci au campus AFD et puis au FMDD pour l'organisation. Merci à tous les participants et principalement à tous les participants qui sont aujourd'hui inscrits dans le parcours stratégie financière des collectivités et qui est aujourd'hui en cours. Donc, on va faire très rapidement un retour sur les principes de la programmation pluriannuelle du budget et des investissements. Dans un premier temps, on va évoquer les enjeux, les différents outils, les différentes démarches et faire le lien avec les conditions de réussite pour que ces démarches
soit efficace, pertinente pour nos collectivités, et puis voir qu'il y a potentiellement différentes approches, mais ces différentes approches, on les traitera plutôt en conclusion. On peut passer à la slide suivante. Je ne sais pas si je peux les piloter, c'est vous qui les pilotez. Voilà. Donc, en introduction, vous rappelez que dans quels que soient nos espaces géographiques, quels que soient nos pays, il y a très souvent un principe de l'annualité budgétaire. L'annualité budgétaire, ça permet de voter des budgets qui sont annuels, et l'explication, le sens de cette annualité budgétaire, c'est un principe démocratique. On donne une autorisation politique aux exécutifs pour une année. L'exécutif exécute les commandes de l'année et rend compte à la fin de l'année. C'est le sens de l'annualité budgétaire. On s'aperçoit, comme ça a été dit par un certain nombre de nos grands témoins, que l'annualité budgétaire n'est pas pertinente au regard des enjeux de gestion actuels. Bien souvent, des projets dépassent le strict cadre annuel et on va être obligé de mettre en place des dispositifs de pluriannualité. Un plan pluriannuel d'investissement qui va permettre de projeter sur plusieurs années la programmation des investissements, mais aussi au-delà des seuls investissements, une programmation pluriannuelle du budget, c'est-à-dire une prospective financière. On peut passer à la slide suivante si vous le souhaitez. Et dans un premier temps, donc on va essayer de voir quels sont les différents enjeux de la programmation pluriannuelle du budget, la prospective financière et la programmation pluriannuelle des investissements. D'abord, on va avoir des enjeux au niveau du pilotage budgétaire et en particulier au niveau de la sincérité budgétaire. Donc, on voit que les avantages de l'annualité budgétaire, ça permet un dialogue démocratique, ça permet de donner un horizon comptable qui est borné par une année, ça permet une fiabilité des procédures de gestion, mais pour autant, ça ne permet pas de s'inscrire dans un horizon pluriannuel, ça ne permet pas de s'inscrire dans une stratégie politique. Et c'est la raison pour laquelle on va essayer d'avoir des outils qui sont pluriannuels. On peut passer à la slide suivante. La pluriannualité va compléter les démarches annuelles. Dans le pilotage budgétaire, on va avoir plusieurs outils. D'abord, un outil de programmation pluriannuelle des investissements. L'enjeu, ça va être de planifier les investissements à réaliser dans un horizon temporel. Alors, l'horizon temporel, ça peut être 3 ans, ça peut être 5 ans, ça peut être le plus souvent un horizon de la mandature. On va essayer de lister quels sont les investissements à réaliser dans cette mandature. Et le listing de ces investissements et le cadencement, la programmation dans un calendrier de ces investissements va permettre de donner un sens politique. Quelles sont les politiques publiques qu'on souhaite mettre en avant? Et puis surtout, ça va permettre de donner du sens au regard des objectifs de développement durable dont on parlera un peu plus tard. La programmation pluriannuelle du budget est un peu plus large. Ça permet de projeter dans le futur à la fois les dépenses et les recettes de fonctionnement, de voir comment on inscrit les projets, les actions en fonctionnement, quelles sont les capacités d'épargne qui sont dégagées par cette perspective pluriannuelle, comment ces capacités d'épargne peuvent financer les investissements et quels sont les volumes de subventions dont on va pouvoir bénéficier pour financer les investissements et quel est le montant d'emprunt résiduel qu'on va être amené à faire. Et la prospective financière, la programmation pluriannuelle du budget, va permettre de vérifier que sur le mandat, on maintient bien une bonne solvabilité financière, c'est-à-dire une capacité à dégager de l'épargne et une capacité à maîtriser son niveau d'endettement. La programmation pluriannuelle des investissements et la programmation pluriannuelle du budget, ce sont des outils qui permettent d'optimiser les financements. D'optimiser les financements, c'est-à-dire les bailleurs qui vont verser un certain nombre de subventions, mais aussi les partenaires financiers, les prêteurs qui vont être amenés à proposer des emprunts. Mais cette stratégie pluriannuelle doit aussi permettre à la collectivité de gérer sur plusieurs années optimalement le patrimoine. Souvent, dans nos collectivités, on est propriétaire d'un large patrimoine et la programmation pluriannuelle permet de faire face optimalement à la gestion du patrimoine. Mais je crois que l'adjointe au maire de la métropole ou de la ville de Lyon y reviendra tout à l'heure dans son témoignage vidéo. On peut passer à la graphique suivante. Donc, quels sont les outils? L'outil, on en a parlé, c'est la programmation pluriannuelle des investissements. La programmation pluriannuelle des investissements, c'est en quelque sorte un tableau Excel dans lequel on va trouver la liste de toutes les opérations.
à réaliser dans le mandat, le montant total de l'opération, combien ça coûte, et dans les colonnes suivantes, on va avoir les montants qui sont réalisés dans chacun des exercices à venir, dans chacune des années à venir. Donc ça, c'est la programmation pluriannuelle des investissements. Dans la programmation des investissements, on va aussi également trouver les subventions que l'on peut obtenir pour financer chacun des projets d'investissement. Éventuellement, dans cette programmation pluriannuelle des investissements, il faut également intégrer les coûts de fonctionnement induits par un investissement. Si on réalise un investissement aujourd'hui, cet investissement aura des impacts financiers futurs sur le fonctionnement. Et donc, c'est très important dans la programmation pluriannuelle des investissements de programmer, de réfléchir aux coûts de fonctionnement induits. La programmation pluriannuelle des budgets, c'est en fait la projection financière sur plusieurs années, à la fois du fonctionnement et de l'investissement. La programmation pluriannuelle des budgets est beaucoup plus large que la programmation pluriannuelle des investissements. Ces outils de programmation pluriannuelle, ce sont des outils qui permettent un dialogue en interne à la collectivité entre tous les services, le service financier, le service opérationnel, la direction générale. C'est un outil qui permet un dialogue entre les élus, le maire et l'adjoint aux finances, entre les élus qui font partie de l'exécutif, les adjoints dépensiers, mais aussi entre tous les élus de la collectivité. Et au-delà, c'est aussi un élément de dialogue avec la population, avec les partenaires économiques. On verra dans les différents témoignages que l'on peut utiliser la programmation pluriannuelle des investissements et la programmation pluriannuelle des budgets dans les différents rapports budgétaires. On peut passer à la slide suivante. On va avoir comme enjeu également le fait que la programmation pluriannuelle va permettre de suivre les objectifs de développement durable. Un certain nombre de collectivités ont développé des outils qui permettent, en face de chacun des projets pluriannuels d'investissement, de noter le projet pour savoir s'il est très favorable au développement durable, uniquement favorable, s'il est neutre, s'il est défavorable ou s'il est non classé. Et donc, cette programmation pluriannuelle des investissements, le classement des actions au regard des retombées en matière de développement durable peut permettre de suivre les objectifs de développement durable sur une mandature, par exemple. On peut passer à la slide suivante pour ne pas perdre trop de temps. Donc, on va voir quels sont les différents outils de la programmation pluriannuelle du budget, quelles sont les démarches et puis les conditions de réussite. C'est l'annonce du plan qu'on va voir dans les slides suivantes. Donc, on peut passer. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la programmation pluriannuelle des investissements, c'est en réalité une liste des opérations, un chiffrage global cumulé du coût des investissements et puis une programmation dans les différentes années. On doit aussi intégrer les prévisions de subvention et les coûts de fonctionnement induits. Et ça va permettre de donner un sens politique. Quels sont les projets d'investissement rattachés à chaque politique publique? On peut décliner, on va le voir dans la slide suivante, les politiques publiques, on peut les décliner. Voilà, une politique publique va pouvoir être déclinée en politique sectorielle. Une politique sectorielle va pouvoir être déclinée en plusieurs programmes. Et donc, la programmation pluriannuelle des investissements ou la programmation pluriannuelle du budget va permettre de donner une orientation politique à toutes les actions qu'on va mener sur le mandat, à la dimension opérationnelle, en inscrivant ces programmes dans une dimension budgétaire. Dans certains pays, on peut traduire les opérations pluriannuelles en autorisation de programme crédit de paiement. En France, ça s'appelle les AP, autorisation de programme crédit de paiement, mais on a beaucoup, dans beaucoup de nos pays, des démarches qui sont des démarches de programmation pluriannuelle assez similaires à celles qu'on peut rencontrer en France en matière d'APCP, mais on va passer à la slide suivante. Donc, on a la relation, cette diapo met en relation la programmation pluriannuelle des investissements avec la liste des différentes opérations. Et puis, sur la partie gauche,
avec la dimension politique et sur la partie droite avec la dimension opérationnelle et la dimension budgétaire. On peut passer, vous aurez les slides. Si on veut respecter les 10 minutes qui me sont accordées, je vais être obligé de passer rapidement. Donc ça, ce qu'on vient de voir là, c'était plutôt la programmation pluriannuelle des investissements. Maintenant, si on parle de la programmation pluriannuelle du budget, on va avoir une démarche qui est beaucoup plus globalisante puisqu'elle va aussi intégrer les dimensions de dépenses et recettes de fonctionnement. Pour chacune des thématiques dépenses et recettes de fonctionnement, on va prendre en compte des hypothèses d'évolution future. Ces hypothèses d'évolution future vont générer des capacités d'épargne future. Et au regard de ces capacités d'épargne future, on va pouvoir voir comment se finance la programmation pluriannuelle des investissements dont on vient de parler juste avant. Probablement que les subventions et les capacités d'épargne ne suffiront pas. Probablement qu'il faudra mobiliser des emprunts. Et la programmation pluriannuelle du budget, la prospective financière, permet de voir si, malgré la mobilisation des emprunts, la collectivité reste en bonne santé financière, maintient durablement sa solvabilité à horizon de la fin du mandat. C'est l'un des enjeux et des outils de la programmation pluriannuelle du budget. On peut passer à la slide suivante. Donc voilà, cette diapo illustre comment on peut construire assez facilement sur Excel une programmation pluriannuelle du budget en mettant une feuille de calcul par thématique. On va avoir une feuille de calcul pour les dépenses et les recettes de fonctionnement. On va donner des hypothèses d'évolution. Une feuille de calcul pour la programmation pluriannuelle des investissements. Une feuille de calcul peut-être sur la fiscalité ou sur les recettes tarifaires. Et puis, tous ces éléments vont venir s'incrémenter dans le tableau de synthèse. Ce tableau de synthèse nécessitera, sur le tableau de synthèse, on nécessitera d'avoir recours à l'emprunt pour assurer un équilibre budgétaire. Le recours à l'emprunt va générer des annuités futures que l'on trouve dans le module dette à droite de l'écran. Et l'augmentation de la dette va générer une augmentation des intérêts et une augmentation du capital, venant diminuer les capacités d'épargne, ce qui va avoir pour les années futures une répercussion. Donc, très facilement, on peut faire une programmation pluriannuelle des investissements sur un tableau Excel et très facilement, on peut faire une programmation pluriannuelle du budget également sur un tableau Excel. Et donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, on va rester à celle-là d'une minute. Pour faire une programmation pluriannuelle du budget, quelle est la méthode ? La méthode, c'est d'abord de faire une analyse financière rétrospective. La méthode, c'est de construire un modèle tel qu'on vient de le voir précédemment. Ensuite, on va choisir des hypothèses d'évolution pour les principales dépenses et pour les principales recettes. On va injecter la programmation pluriannuelle des investissements et on va procéder à des arbitrages pour essayer de financer cette programmation pluriannuelle des investissements. Et ensuite, on va voir si, grâce aux arbitrages, on va aboutir à une prospective financière de référence. Et cette prospective financière de référence, on va en évaluer la sensibilité parce qu'il est certain que les hypothèses qu'on aura prises dans le modèle ne se réaliseront pas. La sensibilité de la prospective budgétaire permet de se poser la question « Et qu'est-ce qui se passe si les hypothèses ne se réalisent pas ?» Eh bien, si les hypothèses ne se réalisent pas, si on a une sortie de route, on se pose la question « Est-ce que c'est grave ou est-ce que ce n'est pas grave ?» Et on se pose la question de quelle décision prendre si on sort des marges de manœuvre que l'on s'est données. Si on sort des objectifs financiers, quelles sont les mesures que l'on va prendre pour revenir dans les objectifs à respecter ? On peut passer à la slide suivante. Et donc, on peut tout à fait intégrer à la fois la programmation pluriannuelle des investissements et la programmation pluriannuelle des budgets dans des démarches qui vont permettre de vérifier que les objectifs de développement durable sont atteints. Donc là, c'est un exemple, je crois que c'est pris par la communauté ou la métropole de Clermont-Ferrand. Pour chacune des opérations, on va se poser la question de est-ce que oui ou non, le projet permet d'atteindre un objectif en matière environnementale. À long terme, uniquement à court terme. Et donc, vous voyez le schéma. On peut passer à la slide suivante si on veut respecter la temporalité. Je crois que j'ai un peu dépassé. Lorsque vous faites la programmation pluriannuelle des investissements, c'est très important de réfléchir à l'ensemble des coûts de l'opération d'investissement. Les coûts de l'opération, c'est à la fois les études préalables, c'est les acquisitions foncières qu'il faut faire,
c'est les travaux, mais c'est aussi les provisions pour incertitude. Parce que quand on lance des travaux, on a forcément des mauvaises surprises en cours de route. Et donc, quand on programme une opération d'investissement, c'est très important de programmer l'ensemble des coûts. On peut passer à la slide suivante. Il va falloir conclure. Conclure, tout à fait. Donc, c'est ce que on peut passer à la... On peut passer à la slide suivante. Là, ça... C'est elle qui n'a pas fonctionné. Donc, les conditions de réussite, hein, pour résumer. D'abord, c'est un portage politique de haut niveau. En fait, il faut que tout l'exécutif de la collectivité soit impliqué. Il faut que la direction générale soit impliquée. Comme le donnera dans sa vidéo, l'adjointe au maire de Lyon, l'important, c'est de mettre en place cette démarche prospective, cette démarche de programmation pluriannuelle le plus tôt possible. Et l'idéal, c'est de le faire au début d'un mandat. Et il faut intégrer impérativement cette démarche prospective dans une prospective financière globale. Et donc, voilà ce que je voulais vous dire. Prospective du budget ou prospective de l'investissement, ce n'est pas des démarches qui sont antinomiques. On ne peut pas faire une prospective de l'investissement si on ne fait pas une prospective globale du budget. Ce sont des enjeux, comme il l'a été dit par les grands témoins, des enjeux démocratiques, des enjeux de gouvernance, mais aussi des enjeux de performance de la gestion. L'enjeu, c'est de faire à la fois une démarche globale politique publique par politique publique, mais aussi une présentation projet par projet, de façon à satisfaire l'ensemble des parties prenantes. Et je vous remercie beaucoup de votre écoute. Désolé d'avoir un peu dérapé au niveau du temps. Merci Laurent, et c'est toujours passionnant de vous écouter. Effectivement, il y a quelques contraintes de temps. En tout cas, c'était parfaitement complet, et je vous propose sans plus attendre de passer au témoignage des praticiens avec le premier à travers une vidéo de Madame Audrey Hénoc, première adjointe à la ville de Lyon en charge des finances, de la commande publique et des grands événements. On va projeter un extrait de sa vidéo qui dure plus longtemps et qui est beaucoup plus détaillée, et qu'on vous enverra la version complète dans le cadre de l'envoi des rapports. Et encore une fois, par rapport à la réaction au chat, toutes les présentations vous seront envoyées par mail avec le rapport de cette session et le replay disponible en ligne. Je suis Audrey Hénoc, première adjointe au maire de Lyon, en charge des finances, de la commande publique et des grands événements. J'ai eu la chance de pouvoir piloter la programmation pluriannuelle des investissements de la ville de Lyon. On a commencé par faire une prospective financière pluriannuelle pour nous rendre compte des capacités financières dont nous disposions et les financements que nous pouvions mettre en place concernant les investissements à proprement parler. Mais en même temps, on a pris en compte aussi nos capacités de financer le fonctionnement, parce qu'il ne suffit pas de créer des équipements, il faut ensuite les faire fonctionner, soit parce qu'on passe par des associations et qu'il y a besoin de leur verser des subventions de fonctionnement, ou soit parce que ce sont des personnels de la ville, des fonctionnaires, qui vont devoir être payés pour pouvoir faire fonctionner les bibliothèques, les crèches et autres équipements municipaux. Donc une fois qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait, sans trop endetter la ville, aller environ autour de 1 milliard d'euros d'investissement, on a commencé le travail de recensement des besoins et de priorisation avec les services de la ville et avec l'ensemble des adjoints thématiques et des maires d'arrondissement de la ville. On a élaboré dans un temps assez rapide quand même, en 9 mois, un peu moins, une PPI qui est très détaillée, puisqu'elle est composée d'environ 800 projets qui totalisent une somme d'engagement de 1,25 milliard d'euros, qui a été délibérée en conseil municipal à travers la séance de mars 2021. Il y a toute cette comitologie pour réussir à mettre en œuvre cette programmation de manière effective. Et évidemment, on fait le lien en permanence avec les différentes étapes budgétaires. Donc à la ville de Lyon, on mène à peu près tous les 2 mois ce qu'on appelle un comité d'engagement, où les services viennent présenter l'état d'avancée des projets quand ils souhaitent qu'on sollicite le conseil municipal
pour soit ouvrir de nouvelles dépenses, c'est-à-dire ouvrir des autorisations de programme, soit réajuster également des dépenses. Et actuellement, c'est le cas avec le renchérissement du coût des matériaux, notamment, qui nous oblige parfois à devoir mettre plus de budget que prévu sur un projet. Tout au long de l'année, on fait ces comités d'engagement, on passe régulièrement en conseil municipal, et puis on prévoit en 2023 une clause de revoyure au milieu de la période du mandat électoral pour pouvoir réajuster notre PPI. Pour les financeurs, c'est très important de voir que la prospective financière est sérieuse, que les investissements sont soutenables, qui vont plutôt dans le sens de limiter finalement les dépenses de fonctionnement, puisque quand on rénove thermiquement des bâtiments notamment, on va faire des économies de fluide. C'est encore plus important quand le coût des fluides augmente, comme c'est le cas actuellement. Donc ce sont un ensemble de mesures, cette programmation, ce vote régulier en conseil municipal de ce qu'on va faire, qui est très rassurant pour les financeurs. La deuxième chose qui est très importante pour les financeurs, je pense, c'est que le fil rouge de notre programmation des investissements, c'est la transition écologique et le service public, et qu'aujourd'hui, les financeurs sont de plus en plus sensibles à pouvoir faire des investissements qui ont du sens et qui contribuent à la transition et à la justice sociale. Je retire comme enseignement, tout d'abord, le processus lui-même de préparation de la PPI, qui a été très riche parce que ça a été l'occasion d'échanges entre les élus et les services qui connaissent la ville de Lyon, qui savent quels sont les besoins. Je retiens vraiment ce travail très collectif, très collaboratif qu'on a pu faire, élus, services, population. Et puis maintenant, j'en retire la satisfaction d'avoir un programme qui est fait à l'avance, qu'on doit uniquement, entre guillemets, uniquement, mais dérouler maintenant, mettre en œuvre. Et donc, à chaque fois qu'on voit sortir des projets, les travaux se lancer, et encore plus, évidemment, les inaugurations se profiler. Et c'est vraiment quelque chose de très satisfaisant, parce qu'on sait qu'on répond à des besoins très concrets, en fait, sur le terrain, quoi. Voilà, on remercie à distance Madame Audrey Henoc, première adjointe à la ville de Lyon. Sa vidéo complète et détaillée, qui fait environ 12-13 minutes, est disponible en ligne. On vous enverra dans le chat le lien, et vous l'aurez aussi dans le rapport de la session. Je vous propose donc de continuer sur l'autre séquence avec les échanges d'expérience, avec des paroles d'acteurs, et donc de commencer avec Madame Wafa Moniati, la directrice des affaires financières de la ville de Marrakech au Maroc. Madame Moniati, vous avez 7 minutes. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Je suis ravie de faire partie de ce panel exclusivement africain parce que je suis très fière de mon africanité. Pour ce qui est de la programmation pluriannuelle du budget et des investissements, permettez-moi tout d'abord de poser quelques questions. En quoi elle consiste? Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'elle est indispensable pour les gestionnaires et le maire d'une ville? C'est à quoi je vais essayer de répondre à travers mon intervention. En prenant le cas de la ville de Marrakech comme exemple. Donc, mon intervention, elle sera articulée sur 4 points. Le premier point, il va décrire le cadrage réglementaire et le cadrage réglementaire. Le deuxième point, il va parler des instruments majeurs de la programmation pluriannuelle. Et le troisième point va débattre des instruments accessoires à la programmation pluriannuelle pour tirer enfin des conclusions et des enseignements sur la PPI au niveau de la ville de Marrakech. Donc, brièvement, je vais passer en revue avec vous les lois et règlements qui régissent cette opération de programmation pluriannuelle. Pour votre propre information, la mise en place de la première charte communale au Maroc a été en 1976. On a dû attendre jusqu'en 2002
pour voir une charte communale qui va parler du plan de développement économique et social, qui lui, il doit être conforme aux orientations du plan national. Donc, il y a toute une série d'articles qui fixent les mesures et les conditions de mise en œuvre du dit plan. En 2009, cette même loi, cette loi de 2002, a été modifiée et complétée. Et donc, on va parler désormais de plan de développement communal qui va intégrer une démarche participative et l'approchant. Il a comme objectif de promouvoir le développement local et l'emploi. Mais entre 2002 jusqu'à 2009, les plans de développement communaux étaient vraiment des documents généralement préparés pour la forme, à défaut de financement important. Et vu que les mandats sont très courts, de 6 ans, les maires préfèrent une programmation annuelle immédiate des excédents. Donc, chose qui a comme résultante l'éparpillement des ressources dans des projets sans retomber sur l'économie de la ville. Là, en 2011, on va assister à une consécration des programmes de développement avec la Constitution de juillet, notamment en ses articles 137, 138 et 139. Ce dernier, il parle du fait de valoriser l'implication des citoyens et des associations dans l'élaboration et le suivi des programmes de développement. Il s'agit de la redevabilité vis-à-vis du citoyen. En 2015, on va assister à la naissance d'une loi organique 113-14, c'est la loi qui est toujours en vigueur, et cette loi va disposer de deux choses très majeures dans la programmation du budget et de la PPI. Donc, cette loi, elle va parler de la programmation triennale du budget, et le décret d'application de cette loi a été mis en place en 2016. Et cette même loi, elle parle du plan d'action de la commune. Et la nouveauté, je pense que c'est une chose qui est louable, la nouveauté, c'est qu'il est fixé par voie réglementaire la procédure d'élaboration du PAC, les mécanismes de dialogue et de concertation. Pour la première fois, on va intégrer l'environnement et le développement durable. Par ailleurs, il est obligatoire d'instituer l'instance équité, égalité des chances et approches genre et des commissions environnement et développement durable qui vont accompagner la commune durant tout le processus du PAC, qui est de 6 ans et il est révisé au bout de 3 ans. Donc, j'ai survolé un peu le côté réglementaire et juridique pour passer aux outils majeurs de la programmation pluriannuelle. Il y a deux outils. Il y a le budget, il y a le PAC. Le budget, jusqu'en 2016, ce document était ponctuel. On prévoyait les ressources et les charges d'une seule année. Le cas échéant, un excédent prévisionnel. En 2016, la loi est venue instaurer la programmation triennale et fixer son contenu. Comment, au niveau de la commune, on fait cette programmation triennale? On fait un petit exercice. La projection des tendances moyennes, sauf pour les recettes et les dépenses fixes. Pour tout ce qui est les recettes, par exemple, les loyers qu'on reçoit, les concessions de transport, par exemple, on inscrit les montants exacts. On dépense les charges fixes telles que loyers, conventions, emprunts, dotations aux arrondissements sont reprises avec leur montant exact. Donc, cette programmation pluriannuelle est actualisée chaque année. On y incorpore les projets du PAC qui sont financés par les moyens propres de la commune. Le deuxième instrument majeur de la programmation pluriannuelle est le PAC, le plan d'action de la commune. Il retrace une programmation sur une durée de 6 ans, un exercice intelligent, intéressant. Il s'aligne avec les projets de l'État, la région et la préfecture. Il est transversal, harmonieux. Il intègre les mécanismes de concertation et de dialogue, de suivi et d'évaluation de par la loi. Notamment,
au niveau de deux décrets. Le décret numéro 2-16-301, fixant la procédure d'élaboration du pacte, de son suivi, de son actualisation, de son évolution et des mécanismes de dialogue et de concertation pour son élaboration. Le décret numéro 2-17-306, fixant les mécanismes et les outils nécessaires d'accompagnement de la commune en vue d'atteindre une bonne gouvernance dans la gestion de ses affaires et dans l'exercice des compétences qui lui sont dévolues. Et là, à titre indicatif, nous avons un guide qui a été envoyé par le ministère de l'Intérieur, un guide pour l'élaboration et la préparation du pacte. Et donc, c'est un guide que nous avons suivi à la lettre. On n'a pas le choix. Donc, dans toutes les étapes du PAC. Donc, toujours au niveau du PAC, il est une occasion de dialogue démocratique parce qu'on organise des ateliers de diagnostic participatif. Ils sont ouverts aux citoyens. Les dispositions de la loi, comme j'ai déjà énuméré, mettent l'accent sur la mise en place de l'instance équité, égalité des chances et l'approche genre. Deux commissions sont très importantes, celle de l'environnement et du développement durable. Il est impératif que ces institutions accompagnent la commune à titre consultatif durant tout le parcours ou le processus du PAC. Les sources du financement du PAC, comme vous le savez tous, c'est des fonds propres, c'est notre prêteur qui a le monopole au Maroc, le FEC, le fonds d'équipement communal, c'est des partenariats, c'est des subventions. Donc, un petit aperçu sur les plans de développement et les PAC. Donc, il y a eu le PC des 2011-2016. Le nombre de projets était de 3, il était très ambitieux. Le nombre de projets était de 335. Le coût global, c'est 11 milliards 977 millions de dirhams. À titre indicatif, il faut diviser par 10 pour avoir le coût en euros. Par de la commune, c'est 6 milliards 500. Le taux de réalisation, c'est 77%. Donc, à cheval, entre le PAC, le PCD 2011-2016 et le PAC 2017-2022, il y a eu une convention cadre qui a été inaugurée devant le roi, très importante, très volumineuse, avec une transversalité jamais vue. Donc, elle touche tous les secteurs de développement de la commune. Elle s'appelle Cité de renouveau permanent. Elle a été inaugurée en 2014 et devait être finie en 2017. Donc, le nombre de projets, c'est 261 projets. Le coût global de ce programme d'investissement, 5 milliards 900. La part de la commune, c'est 800 millions de dirhams. Les réalisations, c'est 97%. Et comme cette cité de renouveau est venue après avoir élaboré le PCD 2011-2016, on a attendu le prochain plan d'action pour intégrer les projets. Wafa, on t'a perdu. À cette convention de cité 2022, il est à un coût de global de 12 milliards 415 millions de dirhams. Le nombre de projets pour les trois premières années, 207 projets. Le coût pour les trois premières années, 7 milliards 535 millions. Et la part de la commune pendant ces trois premières années, c'est 1 milliard 122 millions de dirhams. Le taux de réalisation, 47%, c'est presque la moitié. Nous sommes là en train de préparer le PAC 2023-22 et on est en sa phase de besoin et diagnostic. Durant les journées du 31 mars au 2 avril, on a organisé le forum du diagnostic participatif avec des thèmes ou des axes phares tels que identité, compétitivité et modèle économique de la ville, parce que, comme vous savez, avec la pandémie de Covid-19, comme Marrakech s'affichait toujours comme une ville touristique,
Donc, la fragilité du secteur, vous la connaissez tous. Donc, parmi les missions du PAC, du nouveau PAC, c'est d'élaborer un modèle économique de la ville qui soit diversifié et qui ne reposera plus sur le tourisme comme un pôle d'entraînement. Il y a aussi comme thème la question du foncier, l'urbanisme, habitat, transport, mobilité, connectivité, milieu, environnement et durabilité urbaine. Il y a secteur de l'emploi et développement humain, patrimoine de Marrakech, action de sauvegarde, valorisation et développement. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des outils ou des instruments majeurs de la programmation pluriannuelle. Maintenant, on va voir les outils accessoires de la programmation pluriannuelle. C'est en général des conventions. Il va falloir conclure. En fait, on est à plus de 10 minutes et on est déjà un petit peu en retard. Donc, je te laisse sur ce point-là, mais en résumé, s'il te plaît, parce qu'il va falloir conclure en une ou deux minutes, s'il te plaît. Oui, j'allais parler de financement innovant. Nous avons deux projets, mais... Si je n'ai plus le droit de parler. Non, mais si, mais rapidement, tu peux les mentionner. Mais là, ça. Rapidement, nous avons des. Au sein même, et ça, c'est mon coup de cœur, au sein du budget de fonctionnement, il y a des actions d'investissement pour deux rubriques. Au niveau du budget de fonctionnement de la ville de Marrakech, il y a l'éclairage public et la gestion déléguée. On a mis en place une SDL, Société de développement local. La commune a un capital de 61% et le privé a un capital de 39%. C'est un contrat EPC, Engineering, Procurement and Construction, sur 10 ans. Et l'objectif de ce contrat, c'est la garantie d'économie d'énergie qui soit durable, la sécurisation des installations. Ce qui est important, c'est le financement qui est au niveau de cette SDL. C'est le Project Finance. C'est que la SDL est considérée comme véhicule ou sponsor, elle emprunte sans recours la garantie et le projet lui-même. Avec les économies d'énergie, on rembourse la dette. C'est ça le. Donc, les réalisations au niveau de ce projet, un niveau d'éclairement multiplié par 3, une consommation d'énergie divisée par 3, 60% d'économie d'énergie à partir de la troisième année, chose qui a été réalisée avec un taux de service de 95%. Merci Wafa, je suis vraiment navré, mais on pourra revenir sur les exemples tout à l'heure. À chaque fois, c'est passionnant, mais je dois jouer un peu le maître du temps. Non, c'est moi qui m'excuse de te couper. On y reviendra et merci vraiment d'avoir illustré tout ça. On essaiera de creuser les exemples lors des échanges avec les participants. Merci encore Wafa, de la directrice des affaires financières à la ville de Marrakech. On continue avec les exemples. Monsieur Jean Yango, directeur des études de la planification urbaine et du développement durable, ancien directeur, à la communauté urbaine de Douala au Cameroun. Monsieur Yango, 7 minutes, s'il vous plaît. Je sais que vous savez être resté dans les temps. Merci. Très bien. Merci de me donner la parole. Je suis, autant que les autres, ravi de prendre part à cette visioconférence, se rapportant, n'est-ce pas, à ce cours sur le renforcement de la programmation pluriannuelle du budget d'investissement. Les communications précédentes nous ont permis de relever, n'est-ce pas, de souligner que la programmation pluriannuelle des investissements est consubstantielle à une démarche prospective à long terme du développement de la gestion des villes. Si des villes qui ont un taux de croissance relativement faible, européen, disons, en général, qu'en dirait-on, n'est-ce pas, pour les villes africaines et en particulier pour une ville comme Douala, qui a un taux de croissance au cours des 20 dernières années d'à peu près 4%, et dans un contexte comme la plupart des villes d'Afrique, de ressources contraintes. Donc, la ville de Douala ne pouvait que s'inscrire, n'est-ce pas, dans cette dynamique de gestion pluriannuelle des investissements. Et cela a été rendu possible par une raison institutionnelle, réglementaire, qui a voulu que, en 2007, ça a été l'épilogue d'une grande réforme de finances publiques au Cameroun.
intégrant naturellement celle des collectivités territoriales décentralisées, en fixant en la date de 2013 la mise en œuvre de toutes les réformes et toutes les actions prescrites par ces réformes des finances publiques en lien avec les critères de convergence de la zone CEMAC et fixant notamment à ville, collectivité territoriale décentralisée, l'échéance de 2018 pour mettre en œuvre ce qu'on appellera les budgets programmes. Pour ce faire, la ville de Nola, elle n'a pas attendu, n'est-ce pas, d'atteindre cette échéance de ces collectivités territoriales décentralisées. Dès l'année 2014, elle s'est engagée dans l'option de budget programme, à la différence du budget moyen qui a été brièvement décrit tout à l'heure. Et pour ce faire, il lui a d'abord fallu concevoir et élaborer une vision, une stratégie de développement de la ville. Ça a été fait avec le Cities Alliance, qui a donc permis d'élaborer cette stratégie, cette vision de la ville, articulée autour de quatre priorités. La première, c'était améliorer la compétitivité et l'attractivité de la ville de Douala, faire de Douala une ville pilote en matière d'environnement, améliorer l'accès aux services urbains au plus grand nombre, et enfin, une fonction support, un objectif priorité de support qui portait sur l'amélioration de la gouvernance. Alors, ce sont ces quatre piliers, n'est-ce pas, ces quatre priorités qui ont constitué les éléments de base du budget programme. Donc, autrement dit, une représentation par ce budget programme, n'est-ce pas, de la vision stratégique de la ville. Donc, cela a été rendu possible, cela a pu être mis en œuvre au niveau de la ville, voilà, avec le concours de l'Association internationale des maires francophones, qui a non seulement mobilisé des experts compétences avérées dans le domaine, qui avaient une expérience établie à la matière, qui a procédé à des sessions de formation à la ville, et en améliorant le logiciel Simba, qui est connu de la plupart des collectivités territoriales décentralisées d'Afrique francophone, à tout le moins, et qui a développé, amélioré ce logiciel en y intégrant, n'est-ce pas, la gestion en budget programme, c'est-à-dire pluriannuel. La réglementation au Cameroun fixe à 3 ans l'échéance prévisionnelle programmatique, et, alors que dans certains pays, n'est-ce pas, c'est généralement à peu près 5 ans. Donc, 5 ans, ça répond aux échéances bien entendu, mais au Cameroun et dans la ville de Douala en particulier, dans 14 très autres villes du Cameroun qui étaient gérées par ce qu'on appelait les délégués du gouvernement, c'est-à-dire gérées par des magistrats municipaux désignés par le président de la République jusqu'en 2020, c'était a priori pas une contrainte puisqu'ils pouvaient faire la gestion à vue, mais sur Douala, on s'est rendu compte qu'il était indispensable compte tenu de la place de Douala et de toutes les obligations réglementaires ont été indispensables de s'arrimer à la gestion prévisionnelle en pluriannualité des investissements. Alors, sur cette base, à l'issue de l'élaboration de cette stratégie, la ville s'est dotée d'élaborer un plan directeur d'urbanisme auquel était adossé un programme d'investissement prioritaire. Et c'est sur la base, n'est-ce pas, de ces investissements prioritaires que nous avons pu élaborer un premier budget programme et surtout nous avons effectivement identifié les projets qui étaient susceptibles d'être financés par l'État en raison des moyens beaucoup plus importants qu'il fallait pour les mettre en œuvre, ceux qui pouvaient l'être par la ville et à l'intérieur de ceux qui pouvaient l'être par la ville, ressortir ceux qui pouvaient être réalisés par les opérateurs du secteur privé en mobilisant donc les ressources privées, d'autant que quelques années, 1 ou 2 années auparavant, nous avions réalisé une étude sur l'économie locale. Là, nous avons pu nous rendre compte que le budget de la ville ne correspondait même pas à 0,5% de la richesse produite localement. Autrement dit, qu'il y avait une épargne locale susceptible d'être mobilisée au profit, n'est-ce pas, pour l'amélioration des services urbains à travers la fourniture des services et des biens essentiels
par les opérateurs du secteur privé. Donc, la disponibilité de ces outils, de cette prévision budgétaire, de cette pluralité des investissements, a donc permis d'avoir non seulement avec l'État une meilleure visibilité par rapport à ce qu'il fallait entreprendre, mais compte tenu de l'ampleur des ressources nécessaires à la réalisation du grand projet, donc le grand projet permet de recourir aux partenaires au développement. Les partenaires avaient également là, n'est-ce pas, un outil qui leur permettrait de se dire que les projets qui étaient identifiés et présentés dans le programme ne sortaient pas d'un chapeau du maire, mais résultaient, n'est-ce pas, d'une concertation, d'une démarche participative et inclusive. De même que les opérateurs privés trouvaient la possibilité là, de développer leur intention évidente, enfin de plus en plus marquée, n'est-ce pas, de participer au développement de la ville en mobilisant les ressources. Donc, les leçons que nous pouvons tirer de l'expérience de la ville de Douala en matière, c'est un, que une ville ne peut pas se développer sur la base de seules impressions, et même pas du tout d'impressions. Il faut toujours concevoir une vision partagée, inclusive par l'ensemble des acteurs. Dans des villes comme Douala, où le niveau de ressources est relativement faible par rapport au retard à rattraper et aux besoins résultant de la croissance, il est impératif, n'est-ce pas, d'amener d'autres acteurs, l'État bien entendu, ce qui nécessite l'établissement d'un contrat de ville qui devrait être signé entre la collectivité locale et l'État, mais également intéresser les acteurs du secteur privé qui, dans la ville de Douala, disposent de ressources significatives. Et mais pour ce faire, une gestion rigoureuse, transparente, permettant aux habitants et à l'ensemble des acteurs qui souhaiteraient s'impliquer dans le domaine de la ville apparaît indispensable pour s'assurer que les fonds qui sont mobilisés sont parfaitement gérés. Voilà ce que, à ce stade de nos échanges, me permettrait de formuler comme expérience en ce qui concerne la ville de Douala. Merci Jean pour ce témoignage très intéressant et parfaitement complémentaire de ce qui a déjà été pris. Sept minutes. Alors, je vous vois connecté, mais je ne sais pas. Ouais. Je peux parler? Oui, c'est bon, on vous entend bien. Et vous, je m'excuse d'avoir du retard parce que là, vous savez, avec l'heure du travail, là, c'est compliqué. J'étais convoqué par le maire, donc je viens même, je suis en cours de route. Donc, je quitte le bureau du maire pour aller à mon bureau. Donc, je m'excuse de ce retard et de pouvoir parler aussi en pleine circulation. Mais je suis c'est obligé. Bon, on vous entend, on vous écoute, donc on vous, voilà. Vous pouvez, présenter l'expérience de Dakar, s'il vous plaît. Merci. Voilà, comme je l'ai dit, hein, bon, au niveau de la ville de Dakar, moi, j'ai eu la chance quand même de faire une formation au niveau du CFEP. Donc, concernant la programmation pluriannuelle des investissements, quand je suis venu, à mon retour à la mairie de Dakar, bon, le souci, c'est qu'on n'avait pas l'habitude. On n'avait pas l'habitude de faire cette programmation. On faisait surtout des projets sur une année. Donc, par rapport à l'expérience de cette formation, donc, on a démarré ce qu'on appelle les plans. On a d'abord utilisé un peu les outils de la programmation, à savoir avoir un plan communal de développement et éventuellement avoir des autorisations de programme. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau du conseil municipal qui sortant maintenant, ce conseil municipal-là peut-être sera initié. Donc, on faisait des autorisations de programme par rapport au projet qui était à cheval sur plusieurs années. Donc, l'expérience qu'on a eue avec l'éclairage public, avec la modernisation de l'éclairage public, donc sur ce qu'on appelle le relamping. Donc, pour sortir du sodium, pour aller vers le LED, donc pour remplacer quand même tous les points lumineux de Dakar, quand même qui sont assez nombreux. Donc, il était fondamental qu'on puisse avoir un programme sur 3 ans. Et le code des marchés publics qui cadre quand même avec ce que nous voulons, parce que le code des marchés au niveau du Sénégal nous autorise
nous autorise à passer des marchés de clientèle. Les marchés de clientèle, c'est un marché que tu passes sur une année et que tu renouvelles sur deux. Donc, c'est un marché que tu peux exécuter sur 3 ans. Donc, par rapport à ce programme-là, que le conseil municipal a autorisé, donc on a pu faire ce relamping au niveau de Dakar. Et aujourd'hui, cette année-ci, on est dans notre dernière année. Donc, ce programme va se terminer en juin. Et que grâce quand même à ce programme, cette programmation pluriannuelle des investissements, nous avons pu, sur 3 ans, investir 12 milliards sur l'éclairage public de Dakar. Donc, ce qui nous a quand même permis de changer considérablement, augmenter les points lumineux, mais aussi faire ce relamping qui nous a permis quand même de faire des économies d'énergie en faisant du LED au lieu du sodium. Donc, je pense que la programmation, bon, c'est à un niveau de embryonnaire, parce qu'aujourd'hui, on peut citer que ce projet de l'éclairage public où on exécute ce qu'on appelle une programmation pluriannuelle. Mais aujourd'hui, avec le projet, le nouveau maire qui a un projet de construire un hôpital de niveau 4 au niveau d'un quartier qu'on appelle les parcelles assainies, dont le coût global tourne autour de 14 milliards pour la construction et l'équipement. Il est fondamental que ce projet-là puisse être exécuté dans le cadre de la programmation pluriannuelle. Donc aujourd'hui, si ce programme-là, quand on terminera les études et qu'on saura le coût et le délai d'exécution de ce programme, parce que les délais d'exécution sont importants aussi pour la réussite de la programmation pluriannuelle, ça va nous permettre aujourd'hui, comme nous nous autorisons le code des marchés, de lancer un marché sur 4-5 ans et que sur chaque année budgétaire quand même, définir les crédits budgétaires pour prendre en charge quand même les décomptes qui auront comme cadre le budget de l'année de la ville. Donc là, comme je vous l'ai dit, le cadre juridique nous le permet. Donc au niveau interne aussi, nous avons l'expérience de l'éclairage public et qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui on pourra quand même exécuter ce programme-là dans le cadre de la programmation pluriannuelle. Voilà un peu l'expérience de Dakar que je voulais partager. Mais l'importance aussi, c'est le renforcement des capacités. Parce qu'aujourd'hui, nous, financièrement, nous connaissons les outils, nous connaissons les autorisations de programme à faire voter. Mais le fondamental, c'est que la maîtrise des délais d'exécution. Et ça, c'est au niveau des services techniques qu'il faut renforcer. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des décalages de 2, 3, 6 mois sur ce qui a été prévu au niveau de l'exécution des projets, ceci va impacter réellement quand même cette programmation budgétaire. Donc, je pense que aussi les services techniques doivent être bien formés dans ce nouvel outil de la programmation pluriannuelle, parce que l'inscription budgétaire, les votes des autorisations de programme ne posent pas problème. Ce qui pose réellement problème, c'est surtout les délais d'exécution par rapport à nos projets. Parce que tu peux avoir un projet que tu dois exécuter sur 2-3 ans, qui va aller jusqu'à 5 ans, qui va avoir beaucoup de retard. Donc, je pense que ça aussi, c'est des difficultés, c'est des contraintes que nous, financiers, nous ne maîtrisons pas. Et que des fois aussi, par rapport aux services techniques, c'est problématique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, de façon très large, on est dans une phase quand même d'initiation, on est dans une phase quand même de embryonnaire par rapport à ces méthodes-là au niveau des cultures locales. Et que je pense que si c'est avec l'accompagnement des bailleurs et l'accompagnement aussi de l'État central, je pense que nos collectivités quand même pourront utiliser cet outil qui est très bien et qui permettra surtout aux collectivités de pouvoir investir beaucoup de choses pour le bénéfice des populations. Voilà ce que je voulais dire et je m'excuse encore parce que là, je ne suis pas dans des conditions idéales pour tenir une réunion. Je suis dans un véhicule. Heureusement, j'avais avec quelqu'un qui conduit. C'est pour ça, mais je voulais apporter quand même l'expérience de Dakar et aussi magnifier quand même cet échange avec vous. Je vous remercie. C'était très clair. Merci beaucoup pour ce témoignage et dans les conditions qui ont quand même permis d'avoir clairement vos points de vue. Je vous remercie. On est relativement en retard par rapport au programme qui avait été prévu. On vous propose de faire une dizaine de minutes sur des questions.
Alors, je peux en reprendre quelques. On a dû en synthétiser hein, et aussi en agréger certaines. Peut-être une première que je vais peut-être adresser à M. Diao directement. Combien de personnes pensez-vous, combien de personnes ont été mobilisées dans la préparation pluriannuelle à Dakar ? Et une question qui vient du Sénégal également. Est-ce que la programmation pluriannuelle peut se faire quand l'essentiel du budget vient des dotations de l'État ? Donc, un, quelles sont les ressources humaines nécessaires ? Et deux, est-ce que c'est nécessaire et intéressant de faire une PPI lorsque les ressources viennent de l'État essentiellement ? Et vraiment, en 1 minute 30, hein, les réponses, s'il vous plaît, chacun. Vous êtes en mute ? Vous êtes en mute ? On ne vous entend pas, il faut désactiver le micro. Sinon, je vais passer à une autre question, on reviendra vers vous. Oui, c'est bon. Voilà. Là, c'est en bon. Une minute, hein. Ouais, en une minute. En hein. Une minute, bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que la ville de Dakar a la chance quand même de pouvoir avoir ce qu'on appelle un excédent un excédent capitalisé, quoi. Par exemple, les recettes de la ville permettent à la ville d'investir de lui-même dans ses travaux d'investissement. Donc, au niveau de la ville, notre capacité d'investissement donc, tourne autour de 8 à 10 milliards. Donc, ce qui veut dire que, comme collectivité locale, nous avons la chance de pouvoir avoir les recettes pour investir. Comme il l'a dit, effectivement, pour les communes, les autres communes de Dakar, du Sénégal, qui n'ont pas cette chance, c'est très compliqué de faire la programmation pluriannuelle parce que les projets, c'est soit le PACASEN qui finance, ou bien l'État central, et que le plus souvent, c'est des projets bien définis et bien, bon, bien calés dans le temps. Bon, les communes même, en termes d'exécution, le plus souvent, il n'y a pas le personnel qu'il faut pour exécuter. À Dakar, nous avons une administration financière qui nous permet quand même de faire la programmation. Pour le nombre de personnes, il faut compter une quinzaine de personnes hein, et que... Même notre DAL, c'est un chef de division, s'occupe uniquement de l'aspect, même pas programmation, mais le montant à mettre dans le budget de l'année N en termes d'investissement. Parce qu'aujourd'hui, nous, si on fait les méthodes d'évaluation des recettes, si on sort nos dépenses de fonctionnement, on sait annuellement, au minimum, on aura 8 à 10 milliards d'investissement. Et aujourd'hui, sur ce que les services techniques nous proposent, sur les bon il y a des investissements qui sont courants qui voilà ça peut-être ça demande pas de la programmation pluriannuelle mais pour des projets structurants comme je vous l'ai dit le lamping en termes d'éclat public ou bien le projet de l'hôpital de Diamniadi ou bien la reprise de la voirie de Dakar ça c'est des projets que il faut nécessairement et impérativement voter des autorisations de programme pour chaque année budgétaire on dit l'éclat public, on met 4 milliards, voire on met 3 milliards. Je ne sais pas, l'hôpital de parcelle, ce n'est pas encore évalué. Et à partir de là, nous savons sur ce marché-là qui a été voté, sur cette année budgétaire, voilà, 4 milliards qui sera fait. Seulement, ce qu'il faut comprendre... Il faut qu'on passe aux autres questions pour que voilà, chacun ait le temps d'avoir. Voilà. Donc, non, merci beaucoup, je pense que ça a beaucoup éclairé. Une autre question, j'essaie de synthétiser plusieurs questions en même temps. Peut-être à M. Danda, quand on voit que les politiques, notamment dans la sous-région, il y a une politique de recentralisation importante. Comment vous voyez aussi que ces programmations pluriannuelles peuvent aider à créer plus de liens entre la politique de décentralisation et les politiques budgétaires des collectivités locales ? En une minute, s'il vous plaît, je sais que vous savez être parfaitement bref. Votre micro n'est pas allumé. Toujours pas. Il faut. Voilà, c'est bon. La caméra est là. Non. Mais en fait, si on prend l'exemple que j'ai donné au niveau de l'espace UMOA, effectivement, il y a un instrument sous-régional qui est conçu, dont l'objectif est de renforcer les capacités au niveau justement des collectivités, particulièrement des communes. Dans la réalité actuelle, les communes au niveau du Niger
font par exemple des PDC, des plans de développement communaux sur 3 ans. Il y a un guide qui a été prévu. Il est prévu de renforcer les moyens justement de ces communes avec l'appui de la sous-région au niveau du cadre stratégique. Alors, à mon avis, pour l'instant, la situation est très difficile en termes de capacité pour les communes de concevoir, de mettre en œuvre et d'assurer le suivi de ces instruments pluriannuels. Mais à la vérité, c'est que ces instruments pluriannuels sont de plus en plus indispensables pour garantir la cohérence des investissements à mettre en œuvre sur la durée. Parfait, merci beaucoup, parfaitement résumé. Une autre question peut-être à adresser à Monsieur Laurent Guyon. Des questions qui ont poussé à la différence entre les PDC et les PPI. Donc, comment créer le lien entre les plans de développement communaux et les programmations pluriannuelles? Donc la programmation pluriannuelle des investissements, elle est centrée uniquement sur les investissements. La programmation pluriannuelle des budgets, elle est centrée sur l'ensemble des dépenses et des recettes, à la fois du fonctionnement et des investissements. Et donc, je pense que c'est une question de terminologie. La programmation dont vous parlez, c'est une programmation qui intègre les éléments dont on a pu parler tout à l'heure sur la programmation budgétaire pluriannuelle ou sur la programmation de la PPI. Donc la programmation dont vous parlez, est-ce qu'elle porte uniquement sur le fonctionnement, enfin uniquement sur l'investissement, ou est-ce qu'elle porte sur l'ensemble des dépenses et des recettes? Si elle porte uniquement sur les investissements, ben, la PDC dont vous parlez, c'est exactement la même chose que la PPI. Et si elle porte sur l'ensemble fonctionnement plus investissement, ben, c'est la même chose que la programmation pluriannuelle du budget. En réalité, ce dont on s'aperçoit, c'est que selon nos espaces géographiques, selon nos pays, on va employer une terminologie différente pour des notions assez comparables. Bon pour moi. Merci. Et enfin, une dernière question peut-être à Monsieur Amémi. Comment faire quand il y a des contraintes d'instabilité à la fois dans l'exécutif et dans la projection des ressources? Par exemple, vous citiez tout à l'heure en Tunisie les évolutions que la Tunisie a pu connaître. Et comment faire de la programmation pluriannuelle dans un contexte d'instabilité, notamment de l'exécutif et de la perspective des recettes des collectivités locales? Alors, pareil, en une minute, hein, s'il vous plaît. On ne vous entend pas, vous êtes en mute. Voilà. OK. Bon. Le contexte de l'instabilité politique est très important parce qu'on perd la confiance. Il y a beaucoup de choses qui émergent. L'impunité, le non-paiement. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, il faut, à mon avis, sortir de cette... Je suis en train d'écouter depuis tout à l'heure nos discours. On est toujours cerclé dans cette vision techniciste. Mais à mon avis, il faut innover. Et innover, par exemple, parce que j'ai circulé dans beaucoup de pays africains, le Togo, le Burkina, le Maroc, et tout cela. Il y a vraiment un grand potentiel de fiscalité dans tous les pays. Seulement, le problème se situe au niveau du gouvernement. Il n'y a pas des ressources humaines qualifiées, il n'y a pas beaucoup de recours à la digitalisation, les statistiques, les bases de données. Donc, il faut utiliser ces genres de choses pour dire, voilà, on a de l'argent. Et puis, les avantages comparatifs de chaque ville, il y a beaucoup d'opportunités. La deuxième chose, c'est que au niveau d'autres mécanismes, la maîtrise, l'amélioration de la maîtrise d'ouvrage public, c'est une source financière perdue. Donc, il faut approfondir cette question. L'amélioration de la capacité d'absorption des investissements. Dans beaucoup de pays, on programme, puis les investissements sont décalés d'une année à une autre. Et il y a aussi la question de mutualisation des moyens et de ressources économiques. Il y a le renforcement des compétitions territoriales, l'intercommunalité,
Il y a l'aide internationale qu'on n'a pas encore parlé. C'est un problème pour moi, la compétition. Quand les collectivités empruntent de l'argent, ça crée une demande élevée. Par conséquent, l'élévation du taux d'intérêt. Donc, il faut réfléchir comment négocier avec même les bailleurs de fonds. Et puis, je suis je porte toujours toutes ces questions en sortant du cadre juridique et technique et financier par les chartes de ville. Une charte de ville ne suffit pas un plan multi-annuel de développement. Ça constitue pour moi un premier jalon de conquête sociale au départ, auquel tous les gens ou tous les acteurs peuvent adosser le principe de planification, quel que soit le nom qu'il porte. Enfin, le partenariat public-privé, c'est un dossier très... il faut bien l'étudier. Il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans cette question, mais l'expérience en Tunisie et certains pays africains a démontré des hauts et des bas, pour ne pas dire un succès mitigé. Il faut bien justement, ma prochaine question, Monsieur Hamami, que je vais poser à Madame Wafa Moniati, qui nous parlait de la programmation pluriannuelle. Des questions sont venues par rapport à ce que me disait Monsieur le ministre Hamami sur les partenaires publics-privés. Et Wafa parlait justement, Moniati, pardon, parlait des sociétés de développement local qui ont été créées au Maroc et qui permettent justement le développement de partenariats publics-privés. Juste une dernière idée. La question primordiale, c'est que l'État, j'ai insisté tout à l'heure dans mon intervention, doit renouveler son positionnement au sein de nouveaux équilibres. Il y a de nouveaux équilibres qui se tracent en jouant pleinement son rôle de médiateur, de péréquateur, d'incubateur. Incubateur dans la mesure où il a la capacité de repérer et de diffuser les bonnes pratiques dont on parle. Médiateur, quand on dit médiateur, c'est-à-dire que entre toutes les collectivités et les acteurs privés dont on parle aujourd'hui, et péréquateur face à des inégalités territoriales atroces. Tout à l'heure, mon ami, je crois, du Sénégal, il parle des inégalités. C'est vrai, il y a la péréquation, il y a la discrimination positive, il y a beaucoup de procédés. Il faut chercher le salut dans ces choses-là pour bien porter le projet de la ville. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'autres questions. On est censé arrêter maintenant, mais j'ai commencé à poser la question à Madame Moniati. Donc, si vraiment en une minute, Wafa, tu peux nous indiquer comment... aujourd'hui, la programmation pluriannuelle a permis de mobiliser des partenaires privés. Pour moi, la programmation pluriannuelle, elle est toujours bénéfique parce qu'elle permet la soutenabilité des budgets, des projets. Et franchement, au niveau de la ville de Marrakech, quand on a un pack bien ficelé, c'est une banque de données. À n'importe quel moment, si un bailleur de fonds ne sollicite, on a toujours sous la main des projets bien définis et dans n'importe quel secteur. Donc, on est capable de saisir n'importe quelle opportunité de financement. Très bien. Eh bien, ça sera le mot de la fin. On avait beaucoup d'autres questions. Monsieur Yango, je suis désolé, on ne pourra pas revenir vers vous. Je vais laisser la parole maintenant à Marie Le Gac. Oui, merci beaucoup. Merci Jean-François et un grand merci à toutes et tous, d'abord à tous nos panélistes pour leurs interventions extrêmement riches et la diversité de leurs témoignages. Je crois qu'ils illustrent bien la diversité des problématiques aussi. Et merci à toutes les questions aussi. Vous avez été très actifs dans le chat. Il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas pu aborder dans le détail, mais c'est précisément l'objet de ce cycle de webinaires, puisque notamment sur la mobilisation des ressources propres, sur la mobilisation des ressources externes, cela fait partie des enjeux qui seront présentés et discuter et aborder plus en profondeur lors des prochains cycles.
dans les prochains rendez-vous. Le prochain rendez-vous qui est donc pour le 9 juin s'agissant du webinaire et qui portera dans le prolongement des échanges qu'on a eu là toujours sur cette programmation des investissements et comment caractériser cet alignement avec les enjeux globaux et les enjeux des agendas internationaux. Certains le relevaient parmi vous, comment assurer cet alignement avec la transition écologique, la justice sociale. Donc ça ferait partie des points que l'on abordera et comme pour cette session, il y aura aussi une vidéo introductive qui viendra apporter déjà des éléments de réflexion et des outils dans la façon d'aborder ce point de vue. Donc en espérant que vous n'avez pas été trop frustrés par le fait qu'on ait été un peu rapide sur des sujets, mais c'est bien des ouvertures qu'on vous propose et qui font l'objet aussi d'autres approfondissements. Encore un grand merci à tous les intervenants. Je laisse Jean-François conclure s'il le souhaite. Et merci à toute l'équipe, encore une fois, du FMDV pour cette belle organisation. Merci Marie. Non, je me joins à tes remerciements et félicitations à l'ensemble des intervenants. Merci aussi à vraiment toute l'activité des participants dans le chat. On espère vous retrouver le 9 juin et d'ici là, on vous enverra les différents rapports, présentations et vidéos dans cette communauté de pratiques et tout l'ensemble des mails qui sont agrégés. Et voilà. Merci beaucoup et très bonne fin de journée à vous. À bientôt.